présente d'abord, je te présente d'abord, je vais aussi te tutoyer puisque nous nous connaissons, nous avons déjà fait des choses ensemble, je crois, il y a quelques années, autour de minimum deux. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, alors que je crois que tu es la personne référente maintenant au monde sur la question des migrants, sur la question des camps, sur la question de l'encampment, sur tout ce qui se trame autour de ces traversées humaines. Donc tu es ethnologue et anthropologue, et tu es directeur de recherche à l'Institut du Développement, je ne sais pas ce qu'il y a encore, mais tu es aussi, tu fais partie de l'EHESS, où tu enseignes encore et toujours avec de bonheur, je crois. Tu as écrit un certain nombre de livres, j'ai envie de les citer parce que moi je les connais, que je trouve qu'ils sont tous extrêmement importants, donc j'ai fait ma liste personnelle. J'avais commencé d'ailleurs en 2005, Salvatore de Bahia, Rome noire. J'ai donc toujours cru que c'était toi qui avais inventé le terme de Rome noire. C'est un terme qui m'est toujours resté. Donc Rome noire, ville métisse. En 2008, gérer les indésirables, des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, chez Flammarion. En 2011, livre que je recommande tout particulièrement, qui est Le couloir des exilés, être étranger dans un monde commun. Puis 2013, Campement urbain, du refuge Nel Ghetto. 2016, Les migrants et nous. Tu as aussi participé à un film en 2010, Ulysse clandestin, avec Thomas Lacoste. Donc aujourd'hui, tu vas, je crois, à moins que tu aies changé d'avis depuis qu'on s'est vu, tu voulais nous parler de décentrement de l'hospitalité. C'est toujours le cas. Je suis très heureuse que tu abordes ce terme de l'hospitalité, puisque c'est un terme qu'on a extrêmement de difficultés à définir et qui est très clivant. Entre ce que peut en dire Derrida ou Rancière, ce que toi tu peux en dire, il y a des positions théoriques extrêmement différentes. Et en tout cas, toi, dans le contexte actuel extrêmement, je pense, déprimant sur ces questions de matière humaine, au sens le plus violent du terme, tu y vois. Certaines portes de sortie, ou en tout cas des ouvertures, ou en tout cas des portes qui s'entrebâillent. Alors maintenant, réessayer, tu voulais commencer par un film. Non, finir par le film. Finir par le film. Ah, donc je te fais un signe, comme ça, paf, et après. Et alors là, je n'arriverai pas à le faire tout de suite parce que je j'essaie de faire ce que je peux pour mieux. Très bien. Et puis après, nous donnerons la parole à Françoise. Tu passes en second à ta demande. Merci Sylvie. Merci à cette invitation. Merci aussi à l'école d'art de l'université de Paris-Cergy. Paris-Bercy, c'est pas mal. J'arrive pas à revenir dans le sens. C'est pas dans le bon sens, oui. C'est Paris-Cergy quand même. Alors c'est vrai qu'on a parlé avant-hier d'hospitalité, et là j'étais en train de me dire que l'hospitalité en vérité nous transporte aux frontières, et donc je vais ma chute sera sur l'hospitalité, mais je vais faire un grand détour par la frontière. Et alors c'était pour dire les différentes déclinaisons. On parle de moving frontiers, et c'est autre chose. On parle de moving frontiers, mais on a aussi, je connais, et puis beaucoup d'entre vous connaissent peut-être ce projet qui existe, qui tourne pas mal, avec une exposition d'un réseau de chercheurs et d'associations qui s'appelle Migre Europe, et qui a fait un projet qui s'appelle Moving Borders. Et donc, je voudrais jouer un petit peu sur le borders et le frontiers et le boundaries. Et finalement le borderlands. Donc la frontière, border, c'est la limite sèche, c'est le tout petit trait, le mur, ce qui devient de plus en plus un mur.
Et donc, qui, moi, me fait penser tout de suite que c'est un lieu, ce n'est pas un lieu, ou alors c'est un lieu inhospitalier, les frontières sont mortelles. Alors, il faut l'avoir en tête maintenant, je crois, de manière forte, sans compassion, mais en mesurant la dimension tragique du moment que tu as évoqué. 25 000 morts en Méditerranée entre 2000 et 2015, auxquels il faut ajouter déjà 6 000 morts en 2016, donc à 31 000 depuis l'année 2000. 50 000 morts dans le monde aux frontières depuis la fin des années 90, à toutes les frontières. Donc la frontière est devenue, les frontières, et là on parle des frontières nationales, des borders, sont devenues des lieux où on meurt. Donc ça, voilà, ça me semble être un point important, parce qu'on ne peut pas parler tranquillement des borders, des frontières. Et alors, le Moving Frontiers, alors Frontiers a toute une histoire, et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, sur toute une histoire coloniale. La frontière, c'est la frontière de la conquête coloniale, c'est la conquête des espaces, c'est gagner des espaces. Et le géographe Michel Fouché, avec qui je ne m'entends pas forcément très bien tous les jours, a quand même évoqué dans un premier travail de géographie des frontières, il a parlé des fronts et les frontières. Frontières est une déclinaison du front militaire, du front de conquête. Et donc la frontière, c'est quelque chose aussi, alors c'est là où ça se complexifie, c'est à la fois l'avancée, la conquête coloniale, et déjà un espace. Tocqueville, que je mentionne longuement dans un de mes ouvrages, La condition cosmopolite, qui est sur le thème de la frontière, Tocqueville raconte 18 jours de traversée à cheval d'une forêt qui, de l'autre côté de laquelle il devait trouver l'Indien pur et idéal, et il ne le trouve jamais. Et donc il traverse cette frontière. Et en traversant cette frontière, il trouve, dit-il, des tas de choses hybrides, bizarres, des gens qui sont issus du monde européen, mais complètement déculturés. Je prends un peu tous ces termes. Il trouve des Indiens, mais qui ne sont plus tout à fait des Indiens. Il trouve des gens qui ne savent plus à quel dieu se rattacher. Des maisons qui sont des mélanges de la maison indienne et des cabanes européennes, etc. Et donc c'est un espèce de chaos, c'est le terme qu'il utilise, mais aussi de monde hybride, c'est un autre terme. Et donc voilà, avec la frontière, on a ce moving, c'est la moving, ce n'est pas faire bouger la frontière, c'est la frontière qui bouge, c'est la frontière en tant qu'elle bouge, qu'elle est une conquête. Et puis on a un autre terme qui est très utilisé en anthropologie, qui est boundaries. Depuis en particulier un travail pionnier d'ethnologue, d'anthropologue d'Europe du Nord et anglophone, Ethnic Groups and Boundaries, les groupes ethniques et leurs frontières, on l'a traduit comme ça en français, et où Frédéric Barthes explique que finalement les groupes ethniques n'existent toujours qu'à la frontière, c'est-à-dire à la rencontre de l'autre. Et pour être un groupe ethnique, il faut avoir un autre qui va vous regarder comme un groupe autre. Et donc c'est cette interchangeabilité de l'altérité qui fait qu'on existe à un moment donné, ou qu'on peut à un moment donné utiliser un langage de l'identité, ou dans le cas précis qui est évoqué, un langage ethnique. Mais le boundaries des ethnologues des années 60, et ça s'est complexifié, se réfère à toutes sortes de frontières. Quand on dit ethnic group and boundaries, on n'est plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui les borders, qui sont toujours, même quand on ne le dit pas, on y pense, ce sont des frontières nationales. C'est donc on est dans le nationalisme méthodologique. C'est-à-dire on pense en fonction d'une réalité qui est toujours celle qui nous est donnée dès la naissance, la nation. Et plusieurs auteurs, et notamment un sociologue, Ulrich Beck, a critiqué cette pensée dans les sciences sociales qu'il appelait le nationalisme méthodologique. Ce nationalisme méthodologique, finalement, nous fait non pas adhérer, bien sûr, mais croire
à une certaine légitimité d'une pensée nationale ou nationaliste, comme si c'était naturel. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à déconstruire et à dire, ben non, finalement, la pensée nationale, elle est nationaliste sur le plan méthodologique, sur le plan épistémologique même, tout comme la pensée identitaire ou ethniciste, elle est aussi une construction identitaire, une construction ethnique, ethniciste, etc. Donc toutes ces choses-là sont à déconstruire comme des fabrications qui se donnent toujours dans la relation des uns aux autres. Alors, ce qui est intéressant et ce sur quoi j'ai fait, pour ma part, partir ma réflexion sur les frontières, c'est cette diversité, cette multiplicité des frontières, donc des frontières ethniques quand des personnes veulent se réclamer d'une identité ethnique face à des autres, face à d'autres, des frontières religieuses quand des gens veulent faire valoir leur religion face à d'autres religions, des frontières raciales lorsque dans tel ou tel pays, et ça n'est jamais avec une égale mesure dans tous les pays, on pourrait dire que chaque pays ou chaque groupe de pays a sa pensée raciale, on fait valoir une frontière raciale, une frontière de couleur, etc. Les frontières culturelles, toutes sortes de frontières, tout est frontière d'une certaine façon. Et ça nous ramène à la réalité d'aujourd'hui et à ce dont je voudrais vous parler, c'est que si tout est frontière, avec la mondialisation, avec la multiplication des informations que nous avons les uns sur les autres, avec la croyance que le monde était unique et qu'il nous appartenait à tous et que finalement nous allions abattre les frontières avec la plus grande facilité, nous nous sommes aperçus que non seulement nous n'abattions pas les frontières, peut-être parce que nous en avons besoin de frontières, mais surtout certains, par peur de voir abattre les frontières, les ont durcies, les ont transformées et les transforment en murs ou bien en camps. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier terme, qui est le borderland. Nous sommes de plus en plus dans des situations d'indéfinition, dans des situations d'incertitude. À quoi correspond le terme, qui n'existe pas en français pour le coup, de borderland, qui serait le lieu frontière, si vous voulez, le lieu frontière, le lieu frontière comme étant le lieu de l'indéfinition, de l'incertitude, du conflit, et finalement le lieu où aujourd'hui se fait la plus grande part de la conscience du monde, d'une forme de cosmopolitisme, c'est-à-dire de l'exercice que nous sommes bien dans un monde où tout est différent, où nous avons toujours à nous confronter à des choses que nous ne connaissons pas, des langues, des lois, des manières de s'habiller, des manières de se mettre en relation les uns avec les autres. Et finalement, la borderland, ou le borderland, se développe et devient le signe de la fabrication ou de l'exercice du monde aujourd'hui. Alors j'ai essayé d'approfondir à partir de ces enquêtes sur toutes sortes de personnes en migration. Je me suis dit, il y a plusieurs sortes de borderland aujourd'hui, de la même façon qu'il y a plusieurs sortes d'hommes frontières ou femmes frontières, si vous voulez. Alors j'ai associé comme ça, d'une manière un petit peu presque automatique, mais simplement pour réfléchir avec des concepts. On a aujourd'hui la figure de l'homme errant, ou de l'errant, ou de l'errante. C'est une figure très ancienne, et j'emploie des termes qui ne sont ni culturels, ni ethniques, ni quoi que ce soit, mais plutôt des termes historiques. Je pense à l'errant, celui qui vit en errance, qui est parti à un moment donné, mais qui ne sait pas très bien où est-ce qu'il va finalement, et qui continue de circuler. Et c'est un peu ce qu'on voit dans la forme du campement, puisque le campement est le lieu où se réfugie l'errant qui n'a pas acquis de statut dans quelque lieu que ce soit. Il est entre tous les espaces légitimes, et donc le campement est le lieu de l'errant. Il y a la forme du métèque que nous connaissons très bien aujourd'hui, qui est un peu la figure du travailleur sans papier, très nombreuse en France, comme on sait, et qui est reproduite pour des raisons économiques, toujours à peu près de 150 000 à 300 000 travailleurs sans papier dont l'économie capitaliste a besoin, mais c'est bien plus aux États-Unis, pas loin de 11 millions, et un peu partout dans le monde. Moi, je l'ai plutôt rencontré dans mes enquêtes à Beyrouth, et là on rencontre des figures de travailleurs qui sont
utile économiquement et indésirable socialement. Et cela, il se regroupe aussi dans des lieux, et c'était le cas à Beyrouth, dans des lieux de squat, dans des lieux d'occupation informelle. Ils ne sont pas complètement, en dehors des espaces légitimes, mais ils occupent dans les espaces légitimes des lieux illégaux, des lieux qui ne leur donnent aucun droit. Le métèque dans la figure, dans la société grecque ancienne, c'est la personne qui est bien là, qui contribue à l'économie de la cité démocratique, mais qui n'a pas droit de cité, c'est-à-dire il n'a pas de droit politique et il n'a pas de droit de propriété. Mais cependant, on ne le met pas dehors, à la différence de l'errant. Donc son lieu est plutôt le squat. Et puis la troisième figure, qui est celle du paria, qui est assez connue et dont le lieu est le camp, qui est celui pour lequel on va produire un espace à part, un espace de quarantaine, celui qui est absolument indésirable. Alors je débouche sur ce troisième lieu et je veux vous parler de Calais, qui est le lieu d'un camp qui est devenu bidonville et d'une certaine façon un des idéaltypes du lieu frontière dont je parle. Et donc je me demande si on peut utiliser une formule bien connue, de quoi Calais est-il le lieu, on pourrait dire de quoi Calais est-il le théâtre, puisque ce camp, bidonville, jungle, a pris dans la vie française et dans la vie européenne une place considérable comme lieu politique avant d'être finalement détruit. Et donc, c'est là-haut pour clore ma petite présentation. Je vous propose de regarder 13 minutes d'un court-métrage que j'ai écrit et dont je suis l'auteur et dont Nicolas Ottmann est le réalisateur. Et c'est là que Sylvie va miraculeusement appuyer sur la bonne touche. Et que vous allez découvrir Vicente, qui est une rencontre que nous avons faite sur le camp de Calais quelques jours avant la destruction de la partie sud du camp, donc en mars 2016. Ah oui, on n'entend pas le son. Détruire la partie sud du camp de Calais. 9 occupants se poussent les lèvres en signe de protestation. Ils font la grève de la faim pendant 17 jours. Pour certains médias, c'est un acte de désespoir. Pour d'autres, une manipulation des réfugiés naïfs, des activistes européens. Mais il n'en est rien. Le camp est devenu au fil des mois un espace politique. Et certains des occupants ont pensé qu'ils pouvaient devenir les sujets d'une parole politique. Et non plus des victimes. Ou des misérables. Des sujets de parole. C'est moi qui ai fait manifestation ici et a venu la police et a fait beaucoup de problèmes parce qu'il a un accent double que je sentais ici. Depuis, en passé, fait un requérement contre l'État français. Je dis que non, ce n'est pas un problème d'État français. Appeler à Nations Unies, Érosion. Je vais continuer, moi, dire que c'est pour information. Je vais déployer le trailleur enlevé. Je vais déployer tout comment. Après, je ouvre ici le bureau pour trouver interview avec le journaliste qui vient. Ici, je l'ai dit que viens Obama ici. Retire Obama ici. Le quiero interrogar à travers esas cámaras. Estas. Les grévistes de la faim du camp de Calais qui se cousirent les lèvres.
à rencontrer un représentant des Nations Unies pour lui exposer leurs revendications. La liberté de passer les frontières, les droits de l'homme. Leur demande a fait sourire, et pourtant ne désigne-t-il pas leurs vrais interlocuteurs politiques, une instance au-delà des États qui, eux, ne savent pas les reconnaître. Ils ont tout compris. C'est de la politique et il y en a partout. Il y en a eu dans le camp d'Idoménie en avril 2016, à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Il y en a eu à Lesbos en septembre 2016, avec les protestations et l'incendie du camp de Moria. Et il y en a eu à Calais. Mais les protestations des occupants sont traitées comme celles de délinquants, ou de misérables, de désespérés ou de malades. Qui trouvent-ils en face d'eux? Des policiers, des médecins, des psychologues, des aidants. Peut-être deviennent-ils fous à la fin. Peut-être deviennent-ils dangereux, à bout de souffle, en bout de vie. C'est pour cela qu'on voulait s'arrêter là. Écouter et dialoguer avec Vicente comme avec un sujet politique. Un virtuose des mots, et non pas un sujet vulnérable, risible, fou ou malade. Malade, il l'est peut-être. Originaire de Guinée équatoriale, il l'est après 12 ans d'errance en Europe, entre l'Espagne et la Belgique et la France, où il a tenté de faire entendre sa voix. Necesito avalistas, necesito personas de buena voluntad. Estoy solo, me he quedado solo. Esto que se dice en español, le han salido un negro en la lata de comida pidiendo abrazo solidario. Esto es lo que va a salir el señor Obama. Los africanos trabajan con el artículo 73 de Naciones Unidas. Se crea en 1975, después de la guerra de Tilde. Cuando se dijo a Europa, Estados Unidos, hemos venido a salvaros de Hitler, a Europa. Ahora, vosotros hiciste lo mismo con África, indemnizar a África, creando buenos estados, buenos gobiernos y financiar la democracia. Con ese artículo he ido al Congreso de Diputados de España y he trabajado con ellos, pidiendo que financien y la oposición, se crea oposición contra mí. Y se quite al dictador, pero no ha salido porque España ya trabaja con ellos. Entonces he escrito a Naciones Unidas que ese artículo ya está caducado. ¿Por qué? Porque Europa lo toma como posicionamiento, otro más poder de invasión. Mira que un país dice, ¿qué quieres? ¿Quieres independencia total, independencia parcial? ¿Qué es esto? ¿Libertad parcial? Me han secuestrado y quiero sacar un brazo y un ojo fuera de las rejas y todo el cuerpo que era en la cárcel. La demande que font les migrants et les réfugiés est partout la même, à Calais comme ailleurs. Elle est simple, claire, démocratique. Qu'on les regarde, qu'on les écoute, disent-ils. C'est le refus obstiné de répondre à cette demande élémentaire d'existence qui conduit à la folie. En 1951, la philosophe Hannah Arendt, juive allemande réfugiée aux États-Unis, écrivait « Seule la célébrité peut éventuellement fournir la réponse à l'éternelle complainte des réfugiés de toutes les couches sociales. Personne ne sait qui je suis. » Et il est exact que les chances du réfugié célèbre sont plus grandes. Comme un chien qui a un nom a davantage de chances de survivre qu'un chien errant, qui ne serait juste qu'un chien en général. Yo os ofrezco el mejor proyecto, que es formar a todas las niñas africanas, creando impuestos de sociedad civil a todas las empresas europeas que estén en África. Y sin mirar qué estado tiene más ingresos o no. Creando la Universidad de Mwamange.
es el mejor proyecto. ¿Por qué? Porque China está compitiendo, lo está haciendo gratis en Sudáfrica. Por eso el presidente sudafricano dijo, dejar a Europa, vamos a con China, porque nos están formando hijos gratis. Yo le dije a Europa, al presidente sudafricano, párate, párate, que China no nos debe nada. El que nos debe es Europa, pero solo hay que cambiar las formas. Pero si esa competencia llega entre China y Europa, nos quedamos libres. Mejor que compitan. Dans tous les camps de réfugiés ou de migrants dans le monde, les occupants font de la politique. Ils font des manifestations devant les bureaux des agences onusiennes et humanitaires, ou bien dans les rues qui traversent les camps. Ils organisent des refus collectifs de la ration alimentaire. Ils reçoivent avec des jets de pierre les représentants des Nations Unies. Parfois, ils arrêtent les véhicules des ONG et prennent leurs occupants en otage jusqu'à obtenir satisfaction. Leurs demandes sont parfois pratiques. Elles concernent leurs conditions de vie. Se protéger de la pluie, recevoir des plastiques, des couvertures, de la nourriture, équitablement. Parfois, elles sont plus complexes, géopolitiques, contre les rapatriements forcés ou au contraire demandant à être ramenés chez eux, selon qu'ils savent pouvoir rentrer dans leur pays ou au contraire devoir attendre. Car ils savent très bien ce qu'il en est de la situation politique et économique de leur pays, mieux que les représentants des organisations internationales, parachutés sur ces terrains de missions éphémères. Digo, el problema de aquí es que las organizaciones no trabajan de refugio. Hay que demandar a Naciones Unidas para que se declare aquí estancia de asilo, estancia de refugio. La gente solidaria viene de Londres, de Alemania, de incluso China, Rusia y todo, solidaria. Pero no conocen el problema. Hacen manifestaciones, no conocen el problema. Siempre quiere hacerse ver. Y si le acompañan sin decirle qué es lo que tiene que hacer, entonces provoca al gobierno francés. Y el gobierno francés corta por lo sano. Ese es el problema. Bueno, también hay juego sucio entre ellos. Alguno que quiere, no voy a decir muchas cosas, quiere sacar dinero por ahí políticamente. Esto. Solo hay que mirar lo que se ha hecho mal y en qué se puede mejorar. Pero me vino una contradicción cuando el gobierno de Calais prohíbe el legume público. Me dices que venga a tu casa, pero no puedo tomar agua. Si me das vaso de agua, pero no puedo poner café. ¿Cómo? Si estoy en tu casa, al menos déjame pertenecer. Si dice que se pague el legume público, ya se entiende. ¿Cómo la gente va a estar en la línea telefónica? Eso no es ni mínima dignidad. Esas máquinas que vienen moviendo en cabinas telefónicas, limpiar todos los días, gastan más dinero que costear algún público, colaborar en costearlo. Somos ciudadanos, sabemos costear nuestros gastos. Si nos dan electricidad, aquí no se puede hacer contrato de nada. Si tengo jornal, no puedo contratar internet si el terreno no está legalizado. Si se dan viviendas, mil tantas viviendas a los inmigrantes, van a crear otro problema con los vecinos. Porque para que un vecino tenga vivienda, tiene que curar. Y ver que un inmigrante viene y tiene buena vivienda, ese se choca. ¿No faut-il pas nous méfier de nous-mêmes lorsque nous disons que cela n'est pas? Ne peut pas être politique, mais délire, confusion, paranoïa, schizophrénie. Des citoyens sans État exercent une citoyenneté sans interlocuteur. Ce sont des manifestations, des pancartes, des demandes de respect des droits de l'homme, de droit à la mobilité. Mais comme Vicente, il voit bien qu'il parle dans le vide. Es que no entiendo la política esa.
o hay agentes dobles en esas organizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Veo demasiada suciedad, incomprensible. Vivimos aquí como animales. Voilà, je crois que on peut en discuter. C'était pour terminer sur l'hospitalité, sans cynisme, mais c'est pour la rencontre avec Vicente, enfin, outre la rencontre avec Nicolas Hautement, qui a été très importante pour vouloir travailler ensemble, en déambulant pendant une semaine dans ce camp de Calais avant la destruction de la partie du Sud. Un jour, Nicolas m'a dit « Viens voir, j'ai rencontré quelqu'un dont on m'a dit qu'il était fou. » Donc, on est allé le voir, et puis évidemment, voilà, ce qui passe là, je crois, enfin, je crois, c'est qu'effectivement, on peut avoir un doute, mais assez rapidement, je lui ai dit « Attends, filme, il n'est pas fou du tout. » Voilà, écoutons-le. Et donc, le bonheur de Vicente, c'est qu'on a passé des heures à l'écouter et à le filmer. Et voilà, on en a tiré ça. Parce que, comme ça fait, pour moi, des années, comme tu dis, ça fait assez longtemps que je fais des recherches sur cet espace, ce monde de migrants clandestins, réfugiés un jour, migrants le lendemain, etc., etc., et qu'ils sont toujours traités sur le mode de l'urgence, de la peur et de la sécurité, ou de la compassion et de l'humanitaire. Entre ces deux ou trois pôles, il y a l'autre pôle que je vois en permanence dans mes enquêtes, c'est que ce sont des sujets de parole, qui éventuellement on ne laisse pas la parole, et puis ils font de la politique avec des mots politiques qui sont, si ça n'était pas dans leur bouche et dans ce contexte-là, on dirait c'est de la politique. Mais parce que c'est là, dans leur bouche et dans ces lieux-là, on dit que c'est de la folie, ou c'est du désespoir, ou c'est de la délinquance, enfin, etc., etc. Donc c'est ça, la rencontre avec Vicente, pour moi, a été un moment très fort, puisque je me suis dit, son désir de parole est exactement... même avec son grain de folie, on va dire, est exactement ce que j'essaye de dire depuis assez longtemps. Voilà. Non, merci. Je pensais que, je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est vrai que j'aurais aimé que tu nous... Parce que les choses ici sont très claires. C'est vrai que j'aurais aimé que tu nous dises deux, trois mots sur ceux qui finalement font de la désobéissance qui désobéissent, c'est-à-dire qui aident les migrants à passer. Et tu m'as parlé assez longuement de toutes ces petites associations, plus grandes associations que tu traques un peu partout en Europe et qui finalement font un travail énorme, qui redonnent un autre sens à la question, une autre place à la question de l'hospitalité que tout le monde croit totalement... irrémédiablement perdu. Voilà, donc peut-être, je ne sais pas si tu le feras après maintenant ou... Bah, je peux juste peut-être en dire quelques mots, parce qu'effectivement, comme je t'avais promis que j'allais parler d'hospitalité, et puis là, je suis parti sur d'autres entrées, on va dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on reparle d'hospitalité, dans l'espace public, dans les milieux associatifs, etc., c'est... C'est cette crise, c'est la manière dont la crise est vécue en Europe par
des Européens. Et c'est l'hospitalité, c'est nous, c'est ce qui nous concerne. C'est-à-dire que les espaces de circulation, la mobilité, le droit à la mobilité, c'est ces personnes-là. C'est les migrants, c'est les réfugiés, c'est les clandestins, c'est des gens qu'on n'arrive pas à nommer, qu'on n'arrive pas très bien à voir. Eux, leur problème, comme c'était des Afghans à Patras, en Grèce, qui disaient « Our problem is traveling ». Leur problème, c'est voyager, c'est de réussir à se déplacer sans être, sans arrêt, bloqué à des frontières, des passages. Et nous, notre problème, c'est l'hospitalité. Donc, c'est-à-dire, dans le meilleur des cas, notre problème, c'est l'hospitalité comme une réponse à l'hostilité. Et Derrida a déjà beaucoup dit que hospitalité et hostilité avaient la même racine. Alors ça, c'est l'hôte peut être hostile. Et donc, on répond à l'hostilité des uns en affirmant notre hospitalité. Alors, je ne vais pas ici refaire toute l'histoire de cette pratique, qui est une pratique qui est très présente dans l'anthropologie, enfin dans les sociétés étudiées par les anthropologues, qui disparaît un peu, voire totalement dans les politiques de l'asile ou dans les politiques territoriales de contrôle des migrations, et qui revient là depuis quelque temps avec, donc, comme tu le dis, avec tout un tas d'initiatives militantes. Cédric Héroux étant un peu notre figure de proue dans cette réflexion et dans cette politique, puisqu'il dit « Oui, j'accueille chez moi des gens contre l'État. Je fais ça contre l'État. » Et donc, l'hospitalité revient comme une politique, alors qu'elle n'est pas née comme une politique. Elle est née comme une affaire anthropologique de composition de la famille, de la famille élargie, de comment on élargit une sociabilité, comment on accueille les étrangers pour avoir des épouses étrangères, pour pouvoir se reproduire dans l'exogamie. Ce sont des principes de base de l'anthropologie. Mais là, alors qu'on est très éloigné de tout ça, on est dans des sociétés d'individus où on a perdu les traces de l'obligation de l'hospitalité, l'obligation de faire une place à l'autre. Là, quelque chose revient parce qu'on conteste ces gouvernements, en particulier en France, mais de ne pas faire une politique d'accueil, qu'on dit une politique d'accueil, d'asile, etc. Donc les termes, là, peuvent être assez confus par rapport au terme qui est utilisé, hospitalité, qui est un terme très vieux, très ancré dans les sociétés anciennes, etc. Et donc qui revient comme un langage politique. Alors il revient aussi ailleurs, il revient en Espagne. Je dirais, il y a la formule espagnole qui est de, vous savez, la maire de Barcelone, qui est une ex-leader de mouvement de squatteurs à Barcelone. Et en fait, si il y a pu y avoir à Barcelone une manifestation de rue de 160 000 personnes, qui, en France, on écarquille les yeux, 160 000 personnes pour dire... Nous sommes prêts à accueillir ces réfugiés dont on nous parle, mais où sont-ils? Ils sont bloqués quelque part en Grèce, en Turquie. Par la police municipale d'Adakola. Voilà, c'est ça. Comment, pardon? Ils sont harcelés par la police municipale d'Adakola, dans la rue. Donc, c'est des gestes de propagande, tout ça. Oui, d'accord. Bon, on pourrait m'apporter vos informations. Vous savez, moi, j'en ai d'autres, effectivement, par des gens qui ont collaborer à ces mouvements-là, donc peut-être qu'il peut y avoir d'autres interprétations. Toujours est-il que cette formule-là repose sur le principe qu'il y a des squats dans la ville, ces squats peuvent accueillir aussi des migrants qui ne sont pas forcément en situation régulière, et c'est une des manières de faire revivre un petit peu les formes d'hospitalité communale qui a existé au Moyen-Âge, mais qui a disparu depuis très longtemps. Le maire de Grande-Synthe vient encore de se faire, de faire parler de lui en disant « J'interpelle le gouvernement pour qu'il fasse quelque chose, sinon je vais trouver moi-même une solution pour loger les,
les 200, 250 migrants qui sont à nouveau sans abri dans la ville, etc. Donc c'est, ce qui est intéressant avec le mot d'hospitalité, c'est qu'il est en train de revenir, on va dire, par une porte qui n'est pas celle par laquelle il était arrivé il y a longtemps. Merci beaucoup. Donc, Françoise Vergès. Françoise Vergès et moi, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, d'ailleurs pour un post-master, au moment où tu faisais un projet pour un musée sans objet, qui m'avait complètement fascinée, où on t'avait demandé de faire un projet pour La Réunion, et tu avais expliqué patiemment aux jeunes artistes qu'à La Réunion, il n'y avait plus rien à exposer, puisque tout avait été pillé, et comment donc on pensait un musée quand il n'y avait plus d'objets. Françoise, tu es donc politologue. C'est rare pour une Française soutenue un... Je suis française. Oui, je sais. C'est pour te agacer un peu. Tu as soutenu un doctorat à Berkeley qui a pour titre Monsters and Revolutionaries, Colonial Family Romance and Métissage. Tu as enseigné à Sussex University, à Goldsmith. Tu avais été présidente du comité pour la mémoire l'histoire de l'esclavage, 2004 à 2012, j'ai beaucoup, beaucoup d'histoire, et tu as écrit un certain nombre de livres, j'en cite quelques-uns, La mémoire enchaînée, Questions sur l'esclavage, chez Albin Michel, 2006, La République coloniale, Essai sur une utopie, tu as fait avec Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, tu as fait plusieurs livres avec Nicolas Bancel, Nègre, Je suis nègre, je reste Nègre, je resterai, entretien avec Aimé Césaire, Paris, chez Albin Michel, La colonisation française avec Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, Fracture postcoloniale avec Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, Achille Mbembe, L'homme prédateur, ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps, chez Albin Michel, et le dernier que je conseille vraiment de lire, puisqu'il a été polémique. Bon, enfin, si vous avez envie d'avoir une idée sur une histoire qui a été totalement, totalement occultée et qui m'a vraiment interloquée aussi fortement que lorsque j'ai appris la guerre, quand j'ai lu La guerre du Cameroun, c'est les avortements forcés de milliers de femmes dans les DOM au moment même où les féministes françaises réclamaient l'avortement. Il y a un petit lien entre vous. J'ai envie de, voilà, qui m'est passé par la tête, c'est la mère. Alors c'est très étonnant parce que, Michel, tu parles de la mère comme du lieu où l'on meurt. Et dans les livres de Françoise Vergès, on parle de la mère comme des cimetières. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait le même angle de vue pour regarder le monde. Et voilà, c'est une chose que je voulais dire parce que ça m'a, comme artiste, tout à coup posé beaucoup, beaucoup de questions. Surtout que la mère, dans les DOM et ailleurs, l'eau, en tout cas, dans beaucoup de cultures, est une chose qui entraîne, qui fait partie d'un certain nombre de rituels très, très forts, liés souvent à des divinités. Et si je peux me faire une toute petite parenthèse, quand, avec Campement Urbain, j'ai fait ce projet en Australie, où il y a des dizaines de communautés venant de tous les pays du monde, qui parfois ne s'entendent pas. Le seul élément qui a permis que je puisse parler avec tout le monde et qui a permis un projet, était le fleuve qui passait à cet endroit-là et les rituels de l'eau. Donc Françoise, toi tu as décidé de parler de méthodologie. C'est toujours le cas. C'est bien parce qu'en fait, tout le monde change un petit peu d'avis, donc c'est bien. Les choses ne sont pas figées. Bien, éblouis-moi. Oh, je sais pas si, en tout cas, bonjour, merci. Déjà, je veux penser aux frontières parce qu'on a parlé surtout des frontières qui bloquent, qui empêchent. Et moi, je pensais aux frontières qu'on doit construire pour se protéger. Qu'on peut peut-être appeler bandarisme, mais enfin, vraiment qu'on doit aussi en construire pour se protéger. Que les frontières, ce n'est pas simplement celles qui empêchent, c'est aussi parfois pour les opprimer ou pour, je pense évidemment par exemple aux esclaves marocains colonisés, c'est pour se protéger.
Donc les frontières, elles sont là aussi pour protéger. Et il faut mettre frontières contre celles et ceux qui voudraient justement empêcher que quelque chose advienne. Je pensais à ça. La deuxième chose aussi, je voudrais parler des frontières dans ce pays, pas dans les frontières ailleurs, mais dans ce pays, la France, qui n'est pas le mien, mais où je vis, et en tout cas qui m'a accordé un passeport et sa citoyenneté. Donc les Suds ici, puisque dans la première panel, on a parlé pas mal des Suds. Alors évidemment, moi qui viens de ce qu'on appelle les Outre-mer, et que je vais continuer à appeler comme ça parce que je ne trouve pas d'autres mots, il y a aussi beaucoup de migrants, ce sont des frontières. Tu parlais de la mer est extrêmement importante. D'ailleurs, dans la théorie postcoloniale, elle est très peu présente. On est très fixé sur la terre et sur les frontières de la terre, et non pas celles qui existent dans les mers, ou comment les rivières font frontières, les lacs font frontières, ou font passage. Et la mer, évidemment, comme cimetière, c'est un cimetière pour... Ça a été le grand cimetière des esclaves. C'est toujours un cimetière. C'est toujours un cimetière à Mayotte. C'est toujours un cimetière. Donc il y a tous ces cimetières. Mais c'est aussi c'est pas seulement un cimetière. C'est aussi aujourd'hui une privatisation qui signifie que les politiques de dépossession ne se passent pas seulement sur la terre, en construisant les frontières mûres, mais se passe aussi sur l'eau, en privatisant de plus en plus les mers, et en faisant qu'on ne peut pas non plus circuler sur les mers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sur les mers, pas plus que sur les terres, et sans doute de moins en moins même. C'est de plus en plus privatisé, beaucoup plus privatisé que la terre, parce qu'on appelle la terre. Et je pensais aussi qu'on parle aussi de la surface de la terre, et que dans les questions de frontières, de politique de dépossession, il y a aussi les sous-sols. On ne parle pas que je dirais pour beaucoup de peuples autochtones. On peut avoir une frontière sur le sol, mais en fait, les États décident que ce qui est sous-sol peut lui appartenir. Donc on peut admettre que sur la surface, on puisse circuler ou mettre des frontières mûres ou des frontières protectrices, mais le sous-sol appartiendrait d'abord aux multinationales et au capitalisme. Donc je voulais juste vous dire que on n'est pas simplement sur une surface plane de la Terre, sur la question de la frontière, et puis juste peut-être de penser frontière mûre et frontière protection. Je pensais aussi à la question de la souveraineté, parce qu'on la présente aussi comme de manière négative, parce qu'on l'associe aux États-nations de l'Occident. Mais il y a une demande de souveraineté aussi qui est réappropriation justement de ce qui a été enlevé, pillé, repris, et donc contre les politiques de dépossession. Il y a récemment une déclaration des peuples autochtones en disant que pour eux, le problème du XXIe siècle, c'est le problème de la souveraineté, justement. Donc ça m'intéresse parce que quand on parle ici, on parle toujours d'un côté où on critique on se met dans la position de critiquer l'Occident à partir de notions comme si on était toujours là, sans voir que ces notions peuvent avoir tout à fait un autre sens pour d'autres, si on se situe ailleurs. Sur la question de la domination, puisque c'était le thème du panel, moi ce qui m'intéresse beaucoup souvent, c'est comment on fabrique le consentement. Et comment on a fabriqué le consentement à l'exploitation, à la dépossession. Bon, comme tu le rappelais, j'ai pas mal travaillé sur la question de l'esclavage, et ça a quand même duré 4 siècles. Et donc, comment a-t-on fait pour que, pendant 4 siècles, ça soit quand même possible? C'est-à-dire, comment on a fait consentir, et pas seulement par la répression, évidemment, puisque les esclaves n'ont pas arrêté de se rebeller, ou en tombant malade, ou en se suicidant, ou en se rebellant, en montant des insurrections, en empoisonnant les maîtres, en s'empoisonnant, en marronnant, enfin, ça n'arrêtait pas. Mais malgré tout, ça a quand même tenu 4 siècles. Et donc, qu'est-ce qui fait tenir 4 siècles? Qu'est-ce qui fait tenir un système? Et qu'est-ce qui fait ensuite tenir le colonialisme pendant plus d'un siècle? Et qu'est-ce qui aujourd'hui fait tenir l'impérialisme et le capitalisme? Qu'est-ce qui fait tenir? Comment, pour moi, j'ai besoin de comprendre comment on y consent pour comprendre comment on va construire la dissidence. Et tu rappelais cette histoire des femmes et la cécité du mouvement féministe français à cela. Et donc comment aussi se construit la cécité? Comment elle ne voit pas? Parce que ce dont Sophie parle, c'est donc il y a des milliers d'avortements forcés qui sont accomplis à La Réunion par des médecins qui vont se faire des fortunes en plus. On est en 71, hein, on est donc très tard.
Et en France, c'est les grands mouvements de mobilisation pour la contraception et l'avortement qui sont appliqués. La contraception est appliquée librement dans les Outre-mer depuis les années 60. On distribue librement la pilule, on force les gens à prendre ce qu'on appelait le dépôt Provera, qui était des piqûres qu'on avait expérimentées sur les vaches et les juments et qu'on a posées aux femmes dans ces sociétés. Et donc, comment le MLF, alors que c'est dans tous les journaux à l'époque, dans les journaux nationaux, parce qu'évidemment, on pourrait nous dire ça se passait là-bas, c'était loin, ce qui se dit toujours, mais c'était dans les journaux nationaux qui publiaient les textes féministes, c'était un observateur politique ou les journaux d'extrême gauche. Et donc, ça m'a intéressé de voir à la fois comment se construit le consentement là-bas et comment se construit la cécité ici, d'un mouvement, le mouvement de libération des femmes, qui était très radical et très politique. Donc comment dans la France même se construisent ces choses-là. C'est-à-dire, on peut évidemment aller au Sénégal, au Togo ou ailleurs, ou au Madagascar, mais ici, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe ici. Comment on construit à l'intérieur de ce qu'on appelle la République française des territoires qui ne comptent pas, où les populations ne comptent pas, mais du tout. Il n'y a pas d'importance. Ce ne sont pas les camps de Calais. Ces populations ne comptent pas, n'ont pas d'importance. Le lieu a de l'importance parce qu'il appartient à la géopolitique. C'est très important pour l'État français de les perpétuer. Donc comment à l'intérieur, comment on construit des cartographies où des territoires entiers se deviennent invisibles. Comment ce consentement aussi, donc, c'est un processus qui doit être sans cesse relancé. Il n'est jamais tellement solide. Il faut constamment rappeler aux personnes qui consentent quel est l'intérêt de ce consentement, quels sont les intérêts qu'elles peuvent retirer de ce consentement. Signifier toujours, chaque fois, les avantages et les intérêts qu'il y a à consentir, à rester. Et pour obtenir ce consentement, il faut aussi construire donc des territoires qui vont menacer cette pacification qui a été obtenue et qui deviennent ainsi donc des espaces ennemis. Ça peut être, par exemple, des espaces non mixtes. D'un coup, la non-mixité devient dangereuse pour la société française. Il y a eu un exemple, il y a quelques jours, d'un festival d'afroféministes qui aurait été que la maire de Paris, a voulu interdire, à partir d'ailleurs d'un mensonge véhiculé par l'extrême droite. Mais comment cet espace devient un espace de menace à ce qui est une pacification au nom de l'universel et de la laïcité ou toutes les autres choses. Mais ces territoires, pour moi, c'est comment qui menacent aussi donc la pacification, la paix obtenue. Ça peut être aussi la Grèce aussi qui menace l'Europe, qui menace la richesse de l'Europe parce que les Grecs sont paresseux, ou le monde musulman évidemment. Donc comment on construit des territoires et comment on fait en sorte que ces territoires soient préservés d'une occupation qui menacerait aussi la pacification. Donc comment on criminalise aujourd'hui les manifestations dans les rues, comment la manifestation est de plus grand criminalisée en France, comment on criminalise la dissidence, comment cette domination s'exerce aujourd'hui, pas simplement par la répression, par la matraque, mais par l'intimidation, par la menace, mais la menace qui n'est pas une menace nécessairement physique. Alors évidemment, je dis... ça fabrique, alors qui fabrique, parce que sinon c'est une espèce de on, là, ça fabrique, c'est pas qui fait ça, c'est pas le système, mais il y a des acteurs, il y a l'État évidemment, il y a le capital, mais c'est pas toujours d'ailleurs les mêmes intérêts hein, immédiats, mais il y a aussi d'ailleurs, mais c'est pas toujours chez les puissants que se construisent ces endroits de pacification. Interviennent des questions de genre, de sexualité, d'origine, de nom, de race au sens de la couleur de la peau. Alors évidemment, je me suis intéressée à comment échapper à ça. Alors là, je viens à ce que je t'avais dit, dont je parlerai, cette question des méthodes. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, je crois qu'il en a été un petit peu question, je crois, au panel précédent, c'est comment on a imposé l'économie du manque. Il manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. On a dit au Sud, il vous manque quelque chose. On a dit au peuple canadien, il vous manque quelque chose. On a dit aux femmes qu'il leur manquait le phallus, on a dit aux peuples colonisés qu'il leur manquait la raison, l'intelligence, le langage pour exprimer les choses. Il y avait un manque. Il fallait donc remplir, il fallait dépasser ce manque. Et l'économie de rattrapage, qu'on a appelé de développement, a été extrêmement importante pour ça. Et a construit aussi de nouveau de la domination, mais beaucoup plus soft. Quoi. C'est la domination soft. Et donc, il fallait remplir le vide qui avait été créé par le manque.
fallait le remplir et il fallait donc suivre évidemment un modèle parce que s'il y a un manque, c'est que quelque part il y a un plein et ce plein apparemment c'est celui qui a été construit par l'Occident donc il faut essayer d'y advenir. Et je trouvais ça très, très puissant et notamment l'an dernier j'avais organisé un atelier avec des artistes pour dessiner une cartographie de l'espace postcolonial français. Et j'entendais beaucoup, si on avait ça, on pourrait faire ça. Si le musée du Branly ou le musée de Pompidou nous ouvrait les portes, on pourrait faire ça. Donc moi je pense que d'abord, même si le musée de Pompidou ou le Branly nous ouvre les portes, de toute façon ce ne sera pas satisfaisant ce qu'ils vont nous proposer. Donc on ira quand même parce qu'il faut peut-être y aller. Enfin, ce ne sera pas satisfaisant. Donc. Et puis c'était toujours ce truc où c'est eux qui nous offriraient l'endroit qui serait bien. Et j'ai proposé qu'on parle de ce que nous avons. De ce que nous avons là, avec évidemment ce qui manque, mais ce que nous avons. Ce que je disais, que si on mettait sur la table toutes les langues, les mémoires, les expériences, les pratiques, les savoirs qu'on avait, ça serait énorme. Déjà même par exemple dans cette salle, si on mettait tout ça ensemble, on aurait déjà énormément de choses ensemble à partir de quoi faire quelque chose. On n'a pas besoin qu'on... C'est très fort cette idée du manque. C'est tout le temps, moi je l'entends tout le temps quand je voyage dans ce qu'on appelle le Sud, je l'entends. Si nous avions ça. Et donc même par exemple, c'est un peu haché ce que je dis, mais c'est un peu cette question de méthode. Même l'expression chapitre oublié de l'histoire, que j'ai même moi-même utilisé, que j'utilise parfois. C'est comme si justement il manquait quelque chose dans le récit. Mais ça ne change pas le cadre du récit. Le récit reste ce récit national, donc ça resterait l'histoire de France. Et puis il y aurait des chapitres oubliés, alors il faudrait mettre dans les trous et remplir. Alors là, il y aura un petit paragraphe, le trou esclavage, le trou colonisé, le trou femme, le trou ouvrier, le queer, le réfugié. Et puis comme ça, ça serait complet. Mais je n'y crois pas une seconde. Donc je me dis que justement, c'est encore même de poser la question de comment changer cette histoire, ce récit, en partant de cette notion de chapitre oublié ou chapitre manquant, pose problème. Quels sont les intérêts à rester ignorant? Parce que l'ignorance, c'est très important, ça protège beaucoup. Après tout, je ne le savais pas, moi je ne pouvais pas le savoir. Hein, comment je pouvais savoir ça? On ne me l'a pas dit, on ne me l'a pas enseigné, donc je n'y peux rien. Et donc comment en fait... imposer le fait que si on y peut quelque chose et que finalement on est responsable de sa propre ignorance. Bon, alors là, évidemment, on peut penser à ce que Fanon dise ou les personnes du Black Feminism. Mais en même temps, pour moi, il y a d'énormes difficultés parce que je ne veux pas non plus présenter ça comme si j'ai toutes les réponses. Je ne sais pas, je trouve que c'est très très difficile en ce moment. On est dans un moment de contre-révolution globale et que ça rend les choses très dures, en fait. C'est pas... Donc moi, je veux bien dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, mais je trouve que c'est très dur, c'est très épuisant, c'est très fatigant, qu'on voit aussi beaucoup plus de manière beaucoup plus forte ce que Aimé Césaire a appelé l'effet boomerang dans le discours sur le colonialisme, c'est-à-dire le retour de toutes les politiques impérialistes et capitaliste, c'est ce retour qui contamine le monde, et l'Europe qui se pensait protégée de tout ça voit cet effet boomerang lui arriver fortement et ne passe son temps à le repousser. Donc comment faire de cet effet boomerang? Et pour moi, donc, dans cette question, il y a une chose qui me semble vraiment importante, c'est le processus de décolonisation de cette société ici. Enfin, la décolonisation, on pense toujours qu'elle va concerner les peuples colonisés, mais elle concerne le peuple colonisateur. Beaucoup. Elle concerne beaucoup le peuple colonisateur, qui ne se rend même pas compte, très souvent, que beaucoup de choses se sont insinuées dans ses têtes et dans ses représentations, que ce qu'on appelle la France, c'est une totale construction. Donc la décolonisation ici. Ce qui me frappe aussi, c'est la manière dont on pense la France depuis 62, c'est comme si c'était l'hexagone, enfin ce qu'on appelle l'hexagone, et que la question coloniale aurait été réglée. Or, il me semble qu'elle est plus que jamais présente, et que c'est dans ce territoire ici, comment faire?
Est-ce que j'ai le temps de dire deux mots sur ce fameux J'ai aucune idée de l'heure. Il est moins 5 de 5. Je sais pas. Non, mais oui, sinon, ça va. Non, mais juste, dans cette question, par exemple, de méthodologie, c'était de se poser les questions de ce qu'on pense évident. Donc, ce musée, c'est un musée à l'île de la Réunion qui devait parler du peuplement de l'île de la Réunion. Dans l'île de la Réunion, il n'y avait pas de population native quand les Français sont arrivés pour coloniser. Donc, évidemment, la tendance, c'est de penser que l'histoire commence avec l'arrivée des Français, puis de poursuivre 17e, 18e, 19e, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe en France, Révolution, Première République, Deuxième République, Napoléon, puis on voit ce qui se passe là-bas, et puis voilà, on est en train de regarder. Et la première chose, c'est de dire que de refuser cette périodicité et de refuser la spatialité, c'est-à-dire dans la relation avec la France, toujours. Et de dire qu'on était dans l'océan Indien, donc notre temps et notre espace étaient celui de l'océan Indien. Il n'était pas celui de l'Europe, qui de toute façon était en totale périphérie. Et il aurait été celui du temps des mouvements de migrants ou d'esclaves, c'est-à-dire de partir des migrations, toutes ces personnes qui bougent tout le temps dans cet océan ou sur les continents qui entourent cet océan, et de partir de leur temps et de leur espace. Et non pas donc, ni évidemment le temps colonial, mais pas non plus le temps indien ou le temps chinois, en pensant que du coup on allait subvertir quelque chose, mais on rentrait dans un autre récit national. Donc c'est une première chose, et sur la question des objets, il est vrai qu'on voulait questionner la fétichisation d'objets dans les musées européens, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'objet, il n'y aurait pas d'histoire de la personne. S'il n'y a pas un objet relatif à cette personne, elle n'aurait pas d'histoire. Or, dans ces pays, dans beaucoup de pays, hein, pas simplement la Réunion, mais dans beaucoup, pour le voir, il y a des tas de choses qui ne sont pas... Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de... L'objet matériel a été perdu ou détruit ou volé ou pillé. Et donc, à partir de là, si on ne fait que autour de l'objet, on manque... Il y a beaucoup de choses qui vont passer par la manière de raconter l'histoire à l'occidental. Donc, ce qui fait que, par exemple, souvent les musées de l'esclavage sont des musées de l'esclavagisme, c'est-à-dire les musées de l'objet du régime esclavagiste. Les chaînes, le code noir, les registres de vente, c'est-à-dire tel que le régime esclavagiste a fait. Mais il n'y a pas les esclaves, enfin les êtres humains qui ont constitué, c'est-à-dire il y a des hommes et des femmes qui continuent à rêver, à parler, à tomber amoureux, à être en colère, à rêver, à inventer des langues, à chanter, à poursuivre des rituels. L'histoire entre pour juste dire il y avait la chaîne, mais ils ont quand même fait ça. Et donc, cette question, pour moi, est absolument importante. Est-ce que c'est possible d'avoir un... Est-ce qu'il n'y a pas un musée de l'esclavagisme, un musée de l'impérialisme, et puis des musées où là, autre chose se fait qui n'est pas du tout en réponse à ça. Parce que finalement, c'est pas plus mal aussi d'avoir des musées qui montrent avec tous les outils dont on a eu besoin. Par exemple, c'est tous les outils qu'on pourrait voir aujourd'hui pour mettre les frontières en place, c'est-à-dire tout ce qui doit être déployé dans le droit, dans les représentations, dans les médias, pour que ça soit possible et pour qu'on construise du consentement. C'est énorme, c'est beaucoup plus énorme qu'on pense, et donc de ne pas simplement pousser vers des petits morceaux de résistance comme ça. Et donc on a choisi de ne pas avoir que l'objet ne soit pas au centre de l'exposition. Mais c'était juste pour dire ça. Donc dans la question aussi de ce déplacement, c'est de déplacer les manières dont les choses sont faites. Bon, le musée n'existe pas. Il a été... La droite est arrivée au pouvoir et elle y a mis fin. Donc il n'y a pas de musée. Donc de toute façon, vous ne verrez jamais ce qui aurait été peut-être fait à partir de cette imagination d'un lieu où les objets auraient été extrêmement marginaux. N'aurait pas été au centre du tout. Ça aurait été en fait les récits justement des personnes déplacées, des optimistes. Ça aurait été à partir du récit que l'exposition aurait été construite. Donc peut-être même par exemple comme à partir d'une voix comme celle de Vincent, c'est ça qui fait objet, si on peut dire, plutôt que de reconstruire par exemple une cabane de Calais, par exemple, pour dire voilà comment ils vivaient. Parce que ça, c'est tout à fait artificiel.
officielle, puisqu'on ne saura jamais. C'est-à-dire, nous, on rentre, on est tout, c'est tout propre, on ressort, c'est tout propre, on va se laver les mains. Alors que le récit, la voix, ce que cette personne dit est beaucoup plus évocatrice, je trouve, que de visiter, par exemple, des maisons en carton que vous avez fait. Voilà. Merci beaucoup. C'est très passionnant, en fait. Moi, j'ai plein de questions, donc je ne vais pas pouvoir les poser. Parce que paraît qu'il y a plus de temps, mais s'il y a une question. S'il y a une question dans la salle, c'est le moment. Moi, je voudrais peut-être juste dire une toute petite chose, parce que cette question du consentement, je trouve que c'est une question énorme, parce qu'elle est... en fait, on porte chacun un certain nombre de consentements, on vit avec ça, et par rapport au récit, quand tu parlais, je me disais finalement, ce qui m'a toujours intéressée, c'est la notion d'archipel d'Edouard Lys. Et parce que, en regardant Macron ces derniers temps à la télévision, je pense tout le temps à la théorie de l'archipel. Et l'archipel, c'est en fait imaginer qu'il n'y a plus de centre, et qu'en fait il y a un tas de petits centres, et qui s'auto-interrogent, se passent de l'un à l'autre, et qui me semble déjà une chose, une méthode pour essayer de sortir du centre, au sens le plus fort du terme. Hein. C'est du centre du pouvoir, de la place du roi, de là où l'on regarde, de là où l'on parle, de la façon dont on marche, de la façon dont on parle aux gens. Tout ça me semble extrêmement important. Donc je voulais juste convoquer le nom d'Edouard Glissant qui m'accompagne moi depuis tellement longtemps. Donc, y a-t-il une question dans la salle? Parce que sinon, on va se faire... Oui. Je vais poser juste une petite question. Oui. Alors, on a un micro. Moi j'avais juste une petite question, j'ai été très frappé et ému par les deux, ce que vous avez dit tous les deux, et je vous ai posé une question sur ce que vous avez dit Françoise Vergès sur le fait que certains peuples, certaines populations, groupes, etc. revendiquent la catégorie de souveraineté par exemple, comme une manière effectivement de mettre à distance une oppression, etc. Bon, moi j'avais pensé en vous écoutant par exemple évidemment à la Palestine, mais aussi à du NSH, par exemple, le fait que c'est parce qu'il y a une frontière qui n'est pas arrêtée, et ça qui s'appelle frontière espéranto. Mais en même temps, je me suis posé... Donc je trouve que c'est très intéressant l'idée de la frontière comme aussi protection. Et en même temps, je me suis demandé si... et ça, vous avez raison que si nous, on se met dans la position de critique des frontières, et on peut passer à côté de gens qui, n'ayant pas de frontières, eux, la frontière devient quelque chose d'un claim, enfin positif. Et en même temps, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est que la possibilité de ne pas répéter des erreurs de l'histoire, c'est-à-dire de quel côté est-ce que même des dominés peuvent apprendre d'échecs ou de passés pour ne pas les reproduire éternellement, et de quelle manière est-ce qu'on ne va pas sauter des étapes de l'histoire. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand vous avez parlé de l'eau, en fait, et de ce que disait Michel T sur l'international, c'est-à-dire appeler à l'ONU. En ce moment, je suis en train de lire un comics, vous le connaissez sans doute mieux que moi, où il dit par exemple qu'il faut passer des droits civiques aux droits humains. Il faut demander à ce que ce soit l'ONU qui s'occupe des Noirs aux États-Unis et pas l'oncle Sam. Et j'ai pensé que l'eau, c'était peut-être là où il y avait l'international déjà, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'eau internationale, de juridiction internationale, etc. Vous avez dit à un moment, peut-être que l'eau est plus privatisée que la terre. Mais ça m'a étonné, parce que si ce n'est pas l'inverse, parce que l'eau, c'est pas déjà un endroit où on sait qu'on se fait de l'international, de la juridiction internationale, là où il n'y a pas d'État, etc. Et voilà, est-ce qu'en fait, réfléchir sur les frontières aujourd'hui, ce n'est pas réactiver l'idée marxiste d'une internationale, voilà, qui serait donc post-souveraineté quand même, plutôt que de... Voilà, c'était ça un peu ma question, c'est qu'est-ce que c'est l'idée de l'international aujourd'hui, et comment est-ce que... Enfin, je pense sur les camps, c'est exactement ça, enfin, la question de l'international... Et un enjeu tout à fait central, avec les critiques de la dernière partie, dans le moment un petit peu, j'ai l'avis sur le marché, les camps, etc., par la science sociale, cette prédation, enfin ce système vraiment absolument abject. Mais voilà, et qu'est-ce que ça voudrait dire réactiver une idée un peu contemporaine de l'international? Est-ce que c'est pas un peu ça la question qui se pose à nous aujourd'hui? Alors, ce qui serait vraiment sympathique, c'est que vous répondiez tous les deux, et de façon pas trop longue. Je me déteste, c'est horrible. Absolument pour l'international. Oui. Allons-y, construisons l'international. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ce que je voulais dire, c'était qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le besoin de protection et que la protection est importante. Il y a un côté parfois où j'entends trop le côté... alors, il y a le côté des frontières, murs, évidemment, il faut les abattre.
Mais il y a aussi un peu un discours parfois de célébration ou d'idéalisation de la personne qui voyage, etc. Et beaucoup, beaucoup d'êtres humains, ils veulent avoir une maison et être à l'intérieur. Je trouve qu'il ne faut pas mépriser ce besoin de protection, tant qu'elle ne devient pas, évidemment, une question de sécurité et d'expulsion de l'autre. Mais je veux penser quand même à ça. Bon, d'une part, parce que moi, j'ai très peu, donc j'ai très peu ce besoin. Mais justement, donc, c'est pour ça que je le reconnais. Je reconnais ce besoin et je reconnais son importance. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Mais alors, historiquement, on voit tout à fait le jeu entre la construction de souveraineté et l'internationalisme. Donc c'est plutôt là que je penserais l'importance qu'il y a eu d'avoir des États souverains pour les peuples en lutte. Bon, Algérie, par exemple, ça a été extrêmement important pour les peuples en lutte. Je veux dire, ils n'auraient pas eu ça. Ou l'Union soviétique à un moment donné. Donc c'est quand même, ça a été des espaces de protection où les gens pouvaient aller, ou Cuba pour des Africains-Américains et fuyant l'FBI. Et du coup, il y avait une souveraineté qui était protectrice. Et donc voilà, je pense à ça, cette circulation entre effectivement construire des souverainetés refuges, des souverainetés protection qui peuvent être aussi des villages, des églises, mais qui du coup doivent être protégés, sont protégés très souvent, sont protégés pour avertir quand la police arrive ou l'armée arrive pour justement investir. Donc c'est à ça que je pense, mais donc pas justement, ce sont une constante de penser le refuge et de penser la protection. Et comment elle va s'opérer et comment elle va s'instituer au niveau local, très petit, comme on voit dans certains mouvements en France aujourd'hui, ou au niveau évidemment international. Et le côté international, je pense qu'il était extrêmement important aujourd'hui, justement face à cette contre-révolution globale. Michel, je partage tout à fait, il faut qu'il n'y ait pas de malentendu, moi je partage tout à fait ce que tu dis là. Et je dis que la souveraineté est une question de périmètre, c'est-à-dire quel est le périmètre de la souveraineté. On pourrait imaginer qu'on peut poser comme possibilité aujourd'hui, étant donné l'état de développement technologique sur la planète, que le périmètre majeur de la souveraineté, c'est le monde. Donc c'est ce que Hannah Arendt et d'autres appellent le monde commun. Donc dans l'impossibilité aujourd'hui d'avoir le monde commun comme chose effective, effectivement on a d'autres souverainetés. Moi j'apprécie beaucoup l'idée de penser que le refuge est une souveraineté, mais bien souvent les refuges ne sont pas souverains. Les refuges sont des lieux où on se cache dans un contexte hostile. Et donc les gens qui sont dans des refuges, en général, ont peur de perdre leur protection, précisément parce que ils ne sont pas protégés. D'où le droit international, le HCR, la Convention de Genève, qui institue très difficilement un régime de protection internationale. C'est le terme qu'utilise le HCR un peu partout. Et le HCR, je le rappelle, parce que le HCR lui-même entretient le malentendu, le HCR n'est pas une organisation humanitaire, le HCR est une espèce de police, alors dans un, on va dire peut-être dans un bon sens, mais aussi dans un très mauvais sens. Et en Afrique, les gens savent très bien que le HCR, c'est une police. Quoi. Donc y a une institution, il y aurait des institutions qui seraient là pour dire, ben, oui, le refuge est un lieu de protection pour des personnes qui sont en danger au sens où un État-nation qui, dans le régime westphalien dans lequel la planète est organisée, est le lieu de la protection, des personnes qui n'ont pas la protection d'un État et donc qui sont dans des interstices des territoires nationaux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de gens et de plus en plus de situations qui sont dans les interstices des territoires nationaux. Donc il y a des organisations humanitaires, des entreprises privées avec cette privatisation de ces espaces non
territoires nationaux. Et là, c'est un lieu de conflit entre le HCR et IKEA, la fondation IKEA, par exemple. Il y a des relations étroites avec beaucoup de financement de la part d'IKEA, par exemple, sur différents projets du HCR. Mais il y a évidemment la très grande entreprise de sécurité G4S qui travaille pour le HCR et pour beaucoup d'autres domaines. Et donc c'est un espace très concret, matériellement, qui se développe, qui est une espèce de délégation de souveraineté de la part des États-nations, qui dit, bon ben là, pour nous, on n'en veut pas de notre souveraineté sur ces gens-là, et c'est un petit peu ce que j'ai appelé, enfin en reprenant le terme d'indésirable, pour des raisons ou pour d'autres. Donc je voudrais quand même revenir à l'eau, parce que Mireille Delmas-Marty, la juriste qui est qui est très intéressée par ces questions-là, se pose la question de dire comment est-ce qu'on va former un droit mondial. C'est-à-dire, elle parle du monde comme, non pas comme quelque chose qui existerait de statique, mais comme un courant. Elle dit c'est un courant, c'est des tendances, c'est des vents. Alors elle prend la métaphore du vent qui souffle. La mondialisation est un souffle. Et il y a des organisations, il y a des individus, il y a des lieux qui vont dans le sens de la définition d'une citoyenneté mondiale, quoi, en gros, d'un droit, d'un ensemble de droits qui ne relèverait pas seulement du droit national. Et Monique Chemillet-Gendreau aussi se pose ces questions. Il y a maintenant des juristes qui se posent très sérieusement. Ce ne sont plus des utopistes inspirés par les Lumières, etc. Ce sont des juristes qui se posent très concrètement en quels termes, dans quel espace, en fonction de quelle institution, on peut créer quelque chose comme du droit qui ne relève pas exclusivement du droit national. Et pour elle, c'est un rapport de force. On prend ce que dit Mireille Delmas-Marty, c'est des courants, c'est des forces qui se développent et qui vont, qui peuvent faire pencher la balance politique dans le sens de plus de droits non nationaux. Merci. Merci à vous deux.